Et bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une, une vidéo sur euh, un petit glitch euh, une petite euh, une, une optimisation qui fait gagner énormément de temps pour la catégorie cent euh, que je n'avais pas euh, c'est quelque chose que je n'avais pas mis à jour euh, sur la chaîne mais euh, voilà je voulais vous le partager vite fait pour euh, parce qu'il y a quelques abonnés qui m'ont demandé euh, euh, de, euh, de l'expliquer donc c'est très simple, euh, dès le début du jeu, on, se, on passe le portail, on se retrouve ici, le repère c'est après ce portail-là, vous avez un premier mur ici, enfin une, une, une première partie et une deuxième partie qui est là. En fait on va se diriger vers ce, ce buisson-là qui est un petit peu séparé, euh, et le repère c'est euh, entre ici, entre le point ici noir et euh, la démarcation. Euh, qui est ici donc du coup en fait il faut pas prendre forcément beaucoup d'élan et au moment où on va euh, être euh, on va dire euh, mis euh, sur le trottoir au moment où on a, on a un petit on a un espèce de petit boost en fait et qui va nous permettre alors c'est pas évident mais il faut anticiper voilà il faut anticiper euh, dès qu'on touche en fait euh, la première bordure euh, du trottoir il faut sauter ensuite le repère c'est ici en gros il faut sauter assez loin comme ceci pour euh, choper la le saving et pour se retrouver ici donc je vais je vais relancer pour expliquer un peu mieux quand même euh, voilà <coughs> Donc, dès le début, hop, 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 vous arrivez là, hop, ici, vous arrivez à ce petit muret, et voilà le repère. Donc, ici, on va dire à, à peu près là, enfin, je veux dire, c'est. Et après, en fait, il faut. Il faut euh, au moment où on monte, en fait, sur le trottoir c'est à dire ça se joue un petit peu à, pas à la frame mais il faut être très précis il faut être très précis c'est à dire hop il faut sauter et ça passe, ça passe tout le temps vous voyez là moi j'arrive toujours ici au milieu donc euh, je suis entre en fait à peu près entre euh, le fa le, le, les fameux repères que je vous ai montré alors moi j'y arrive en baissant vraiment la tête et, et en vraiment regardant le trottoir et ça passe ça passe, rien de bien dur. Voilà, prenez ce repère, il a l'air de bien marcher. Après, peut-être que il y a euh, d'autres euh, techniques beaucoup plus, euh, beaucoup plus faciles. Mais euh, alors comme ça, non, ça ne marche pas. Il faut prendre un petit peu d'élan. Vous voyez que là, ça ne marche plus trop. Il faut avoir le timing en fait. C'est une histoire de, de timing. Voilà, là j'y arrive et ensuite vous arrivez là et vous sautez assez loin pour l'avoir. Et là, je l'ai eu. Voilà. Donc, euh, voilà. Je. La vidéo ne va pas durer plus longtemps. Hein. C'était vraiment pour vous expliquer euh, et euh, pour ceux qui sont intéressés par le n pour de euh, bah, de savoir, euh, voilà, de, de gagner beaucoup plus de temps. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment une sacrée nouveauté, une sacrée avancée dans, dans lui, dans cette catégorie là. Euh, c'est un raccourci énorme qui nous fait gagner euh, pratiquement euh, euh, une minute. Une minute à peu près euh, moi je sais que je le faisais en 9 minutes 30 mais je l'avais pas référencé et maintenant ça se finit en 8 minutes 30 ou 8 minutes 15 je sais plus exactement mais voilà ça fait gagner une bonne grosse minute hein, euh, au lieu de faire euh, l'ancien l'ancienne strat donc voilà n'hésitez pas euh, réagir dans les commentaires si vous n'y arrivez pas je peux réexpliquer dans les commentaires euh en ce moment je ne suis pas trop actif sur la chaîne parce que c'est l'été, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Mais il va y avoir un tuto, notamment, enfin une série de tutos sur Fallout 4. Pour ceux qui sont intéressés sur le speedrun de Fallout 4, je suis en train de le speedrunner. Je n'ai pas encore réussi à faire une run en entier d'une traite mais euh, je connais toutes les strates pour finir euh, le speedrun de ce jeu donc je ferai quelques tutos ou alors je j'expliquerai simplement les glitches euh, les glitches sur un euh, sur Fallout 4 voilà euh, cette vidéo ne va, pas plus, va, <laughs> ne va pas durer plus longtemps parce qu'elle a déjà duré assez longtemps donc je vous dis bye bye et à la prochaine